Bonjour mes chers étudiants et étudiantes. Donc on va commencer ou bien on va continuer avec la série numéro 3, exercice 3, question 2. Calculer en fonction de θ les composantes radiales orthogonales radiales du vecteur vitesse. Donc on a ρ est égal à A ρ cos carré θ est égal sur 2 est égal à A. Donc ρ égal à A sur cos carré θ sur 2. On sait que OM en coordonnées polaires est égal à ρ U ρ. Alors ρ cos θ I en coordonnées cartésiennes plus sinus θ J. Et on sait que D de U ρ sur DT est égal à θ point U θ. Donc la vitesse est égale à D de OM sur DT qui est égal à ρ point U ρ plus ρ D de U ρ sur DT. Donc D de U ρ sur DT est égal à θ point U θ. C'est déjà, on a déjà trouvé. Il reste ρ point. ρ point est égal à D sur DT de A sur cos carré θ sur 2. Donc on sait que 1 sur F prime est égal à moins F prime sur F au carré. Donc notre fonction ici f c'est cos carré θ sur 2. Donc ρ point est égal à d sur dt de a sur cos carré θ sur 2. Et on sait que h est une constante, donc on peut la faire sortir. Donc ρ point est égal à a d sur dt de A sur cos carré theta sur 2. De 1 sur cos carré theta sur 2. Donc on a dit A fois moins F prime. F prime c'est cos carré theta sur 2 prime sur F au carré, c'est-à-dire cos carré theta sur 2 au carré. Donc est égal à moins A cos carré θ sur 2. La dérivée c'est 2 fois cos θ sur 2 fois d sur dt de cos θ sur 2 sur cos à la puissance 4 θ sur 2. Donc ρ point est égal moins 2a fois cos θ sur 2. D sur dt de cos θ sur 2 c'est θ point sur 2 fois moins sinus θ sur 2 sur cos 4 de θ sur 2. Donc cos θ sur 2 avec ça va devenir cos de cubique de θ sur 2 moins avec moins 2 avec 2. Donc ρ point, enfin, ρ point est égal à a θ point sinus θ sur 2 sur cosinus cubique de θ sur 2. Donc la vitesse est égale à ρ point euro. Au point c'est à theta point sinus theta sur 2 sur cos cubique de theta sur 2 euro plus rho c'est a sur cos carré theta, donc plus à theta point sur cos carré theta sur 2
있다. Donc la vitesse radiale est égale à A theta point sinus theta sur 2 sur course cubique theta sur 2 euro. Et la vitesse ortho radiale est égale à A theta point sur cos carré theta sur 2 I theta. Et le module de la vitesse est égal à la vitesse radiale au carré, le module vitesse radiale au carré plus vitesse orthoradiale au carré. Donc est égal, on remarque qu'il y a un a theta point en facteur, a theta point au carré, on va le faire sortir directement. Racine de sinus carré theta sur 2 sur cos à la puissance 6 theta sur 2 parce qu'on a un carré plus 1 sur cos à la puissance 4 theta sur 2 donc est égal à A theta point. On voit qu'il y a un cosinus 4 qui est un facteur en dénominateur. Si on le fait sortir, il va devenir. Il va devenir. Sur cos carré theta sur 2. Racine de sinus carré theta sur 2 sur cos carré theta sur 2. Parce que cos 4 fois cos carré, c'est cos 6 theta sur 2 plus 1. Donc, est égal à, enfin, la vitesse, le module de la vitesse, ou bien la vitesse, est égal à A theta point. On va rentrer en un dénominateur, ça va devenir sinus carré theta sur 2 plus cos carré theta sur 2 sur cos carré theta sur 2. C'est 1 sur cos carré theta sur 2. Et là, sa racine, c'est 1 sur cos theta sur 2. Donc, c'est 1 A theta point sur cos cubique. Theta sur 2. Et enfin, je vous remercie. Et si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Et à la prochaine.